Enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en plein milieu de cet été. Pour ma part, j'habite dans le sud de la France, à Cannes plus précisément, et je dois dire qu'il y a eu quelques jours où on a un peu souffert de la chaleur. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, que vous avez à vous reposer, à bien vous hydrater, voilà, à profiter de cet été. Alors justement, j'en profite pour faire passer le message que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose en présentiel à Cannes, ou bien même dans ces environs, je me déplace si vous voulez une guidance plus personnalisée. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose des prestations par téléphone ou bien par vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aussi à vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube pour faire la promotion de mon autre passion qui est la création de bijoux. Voilà, je crée ce genre de bracelets, de sacs, de bijoux de sac, de porte-clés, de pendus personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'appelle L'Écrin Enchanté ou mon site internet pour les bijoux qui s'appelle l'écrinenchanté.com. Voilà, donc comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement et de lucidité quant à ce qui est délivré dans ces guidances. Ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible, que les énergies ne commencent pas au 1er août et ne se terminent pas au 31 août. Voilà, le temps s'étire. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà passées pour vous et qui sont en passe aussi de se matérialiser, de se concrétiser. Donc vraiment, je vous appelle, comme je vous dis, à faire preuve de grand, grand discernement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, passez un très, très bel été. Je vous dis à bientôt en consultation et à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les Sagittaires, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin les Sagittaires, je vais faire décan par décan les Sagittaires, partenariat et alliance. C'est le 3 de denier dans un jeu tarot traditionnel, donc voilà, une envie peut-être de vous associer, hein, alors peut-être au niveau professionnel, hein, partenariat et alliance, peut-être amoureusement, sentimentalement, ou peut-être amicalement, tout simplement. Donc là, il peut y être question d'engagement, l'idée de mettre les compétences des uns et des autres ensemble, l'idée d'accroître sa clientèle. Il y a vraiment, vous voyez, trouver du soutien autour de vous, les Sagittaires, mais je sens que ça peut être vraiment très professionnel, hein, ou trouver du soutien dans votre communauté amicale, autour de vos amis, pour, voilà, pour aller plus vite ou pour aller plus loin. Il y a vraiment l'idée d'un soutien, d'une aide que je ressens pour vous, les Sagittaires, au mois d'août. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Votre énergie à vous, les Sagittaires. À quoi vous aspirez? Est-ce qu'il va y avoir à dépasser, hein, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour vous au mois d'août? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, les Sagittaires? Au niveau émotionnel, sentimental? L'énergie que vous pourriez voir se manifester à la fin du mois d'août. Alors, les énergies qui vous accompagnent, magnifiques, l'énergie du monde. Hein. Donc là, peut-être que les partenariats, les alliances qui vont être là vont vous permettre de vous élargir, d'aller plus loin, d'une ouverture sur le monde. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un couronnement, hein. Vous voyez, une couronne de laurier, d'un aboutissement. Ça va vous permettre d'une transition, ça va vous permettre de passer d'un état à un autre. Vous voyez, par exemple, si c'est une alliance amoureuse, l'idée, par exemple, que vous viviez ensemble et que là, l'alliance que vous faites, c'est un mariage, un pax, et ça vraiment, on passe à une autre étape avec l'énergie du monde. Donc là, pour moi, il y a l'aboutissement de quelque chose, il y a la consécration de, voilà, peut-être aussi que vous avez longtemps œuvré pour vous associer avec un, avec quelqu'un au niveau professionnel, et ça vous permet des ouvertures sur de nouveaux horizons. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de, voilà, qui à la fois se termine pour commencer sur autre chose, mais qui est dans la même continuité, hein, les Sagittaires. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du cavalier de bâton, on est dans du feu, on est dans votre énergie à vous, il y a beaucoup de fou, beaucoup de motivation, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'étranger, hein, pour vous. Soit vous avez envie de partir, d'aller explorer des nouveaux horizons, c'est votre énergie, vous voyez, hein, souvent le Sagittaire, bon, c'est un...
c'est un homme qui est moitié cheval, moitié homme. Donc là, on voit que vous êtes dans cette énergie de fougue et de d'élargir. Donc voilà, vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin et que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'associer, de soutien autour de vous. Hein. Donc là, il y a beaucoup de joie, beaucoup de peps, hein. Il y a un allant, il y a vraiment un feu qui vous anime, là, les Sagittaires, hein. Et vous aspirez, bah oui, c'est la même carte, hein. Vous aspirez vraiment pour moi à du soutien, à élargir un réseau, à élargir une clientèle pour certains, vous avez envie d'allier les compétences des uns et des autres, on dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, donc là il y a vraiment une envie d'ouverture, de nouveaux horizons, de voyage, d'étrangers. Il y a vraiment cette envie-là, les Sagittaires, pour vous. Il y a envie d'étendre quelque chose. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, eh bien, le 8 de bâton, ça nous parle que les choses vont s'accélérer. Donc, peut-être, justement, soit de suivre le flux et que ça va falloir, pouvoir suivre la cadence. Mais ce que je sentirais, c'est qu'il y a tellement de fougue là qu'il va falloir peut-être un peu ralentir à un moment donné. Pour peut-être ne pas trop vous brûler les ailes ou que ça retombe comme un soufflet. Je le sentirais plutôt comme ça, là, les Sagittaires, qu'il va falloir quand même un peu contrôler toute cette foule, tout ce feu, parce que sinon, vous allez vous épuiser. Alors, ce qu'il va y avoir, ce qui va vous aider, justement, c'est de ramener, d'écouter l'élan du cœur. Hein. Là, il y a du feu, c'est de la passion, c'est très... Il y a un moment donné où il y a aussi voir les sentiments, il y a à ramener beaucoup plus de douceur, une énergie beaucoup plus douce. Hein. C'est de l'eau, là. Donc, c'est un peu d'eau pour éteindre ce feu qui est tellement là. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ramener aussi de la créativité, hein, être plus posé, être plus aussi à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, être moins dans le feu, hein, quelque chose qui brûle de trop, les Sagittaires, moins dans trop de motivation, trop de peps. Hein. Donc là, ce qui va vous aider, justement, c'est de ramener de la douceur, c'est de vous calmer, d'écouter vos sentiments aussi. Qu'est-ce que, au-delà du feu qui vous anime, qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment? Alors, au niveau professionnel, ouais, il y a un renouveau. Hein. Il y a vraiment comme un appel que vous allez entendre et c'est pour ça que ça va vous donner énormément de peps. C'est comme si vous vous leviez un matin en disant « c'est ça que je veux faire ». Vous voyez, on sort d'un tombeau, il y a une résurrection, il y a un renouveau, il y a un appel. C'est énorme. Il y a vraiment un profond réveil. Alors, c'est pas le terme que j'aime spécialement, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme si... la carte du jugement, c'est la carte de la mission de vie. C'est waouh, c'est ça que je veux faire. Il y a tout qui se met en place et je veux faire ci avec ça. Et nanana, vous voyez, ce genre d'appel qui pourrait être là. Hein. Donc, il y a beaucoup de renouveau. Hein. Il y a un réveil professionnel qui est là. Il y a un engouement et les choses vont s'accélérer. Et ça va vous donner tellement de feu, de patate, les Sagittaires. Il va falloir un peu aller calmer tout ça. Au niveau sentimental, émotionnel, le côté magnifique, l'énergie de l'étoile. J'ai envie de vous dire, vous allez vous mettre à nu. Il y a vraiment l'idée d'être guidé, d'être protégé. Oui, on a envie de se montrer tel que l'on est, très authentique, très sincère. Vous voyez, avec ce page de coupe, on aurait peut-être envie de déclarer son amour à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose comme ça, assez spontanément, assez comme pourrait le faire un enfant, il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez innocent. Hein. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Et à la fin du mois, le 8 de denier, ben vous allez, voyez, l'idée d'avoir trouvé ce qui vous plaisait, vous allez vous atteler à la tâche. Vous allez faire les choses parce que vous aimez les faire. Il y a vraiment, avec ce 8 de denier, la tête dans le guidon, faire les choses passionnément, parce qu'on sait aussi qu'à force, ça va nous... matériellement, ça va être prospère, mais c'est pas ce qui nous motive, c'est la avec le 8 de denier, c'est parce qu'on aime faire les choses. Il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de créativité, il y a un engouement qui est là, c'est magnifique, hein, les Sagittaires, hein, vous me direz, mais, il y a vraiment un nouvel envol pour vous, hein, très en lien avec votre côté professionnel, hein, les Sagittaires. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire un petit conseil et un gardien de la lumière. Alors, premier décan, les Sagittaires. Premier décan, les Sagittaires, ben, beaucoup de créativité. Il y a des projets qui vont être là, qui vont
parle d'abondance, des projets d'enfants hein, pour certains, des projets d'alliance. C'est une mère, hein, donc là, il y a vraiment nourrir ses projets, les Sagittaires. Hein, magnifique, magnifique. Deuxième décan, l'énergie du roi de Pentacle, une envie de solidité. Il y a vraiment une reconnaissance, on le voit de toute manière, professionnelle. Il y a une assise matérielle et financière, les Sagittaires du deuxième décan. Et le troisième décan, bah, le 8 de bâton qui est la même que celle-ci. Donc faites attention les Sagittaires du troisième décan, voilà, que, de quand même savoir mener, ou voyez ce qui souffle là dans ces parapluies, parce que drivez bien les choses, parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Hein, c'est ce que je ressens vraiment les Sagittaires. Donc en tout cas beaucoup de messages, beaucoup d'effervescence. Hein. Allez, le conseil pour les Sagittaires. Quel est le conseil pour les Sagittaires? La parfaite harmonie, bah, écoutez, magnifique, hein. Il y a une symphonie, mais je pense que c'est la symphonie de votre âme. Il y a quelque chose d'assez mélodieux, d'assez harmonieux pour vous. Allez, et le gardien de la lumière, les Sagittaires, le gardien de la lumière, celle-ci. Maître Jésus, le pardon, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Écoutez, magnifique les Sagittaires. Dites-moi en commentaire comment vous passez votre mois d'août. Et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye.